Salut, bonjour. Nous allons traduire une vidéo de Robert Sepher, S-E-P-H-E-R, qui est un anthropologue et qui tourne autour du monde à la recherche de sources à l'humanité. Et il nous dit qu'une drôle d'histoire est apparue dernièrement au sein du service d'information iranien, comme quoi le gouvernement des États-Unis était accusé d'avoir caché aux intelligences, aux renseignements étrangers, et par secret, nous entendons séparés de toute civilisation connue, décrits physiquement en tant que formation pâle et de grande stature. En fait, le service de renseignement iranien dit que des documents qui ont été relâchés par Edward Snowden relataient l'incompressible vérité qu'une intelligence alien extraterrestre était à la tête d'un agenda qui nous contrôlait ou qui contrôlait la politique internationale et interne des États-Unis. Évidemment, cette news a été critiquée et les médias occidentaux en ont ri. Il s'avère que la Russie est un allié moderne de l'Iran et fait aussi penser que les États-Unis ont un gouvernement de l'ombre qui a accès à des technologies non terrestres depuis au moins la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en accord à des cartes qui ont fuité avec d'autres documents, qui ont été supposément acquises par le KGB, et qui, si elles sont vraies, font penser que les Russes croient qu'une faction allemande ne s'est pas rendue à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et que non seulement elle s'est enfuie en Antarctique, mais en plus était responsable de nombreuses des observations de soucoupes volantes depuis la fin des années 40 et le début des années 50. This would include one major sighting. Et ceci inclurait une des observations majeures de soucoupes volantes, qui est dite à avoir mené jusqu'à la réelle fermeture, enfin fin de la guerre, et au début d'un programme spatial secret joint, commun, qui est en train de coloniser l'espace extérieur, l'espace lointain, basé sur de l'énergie libre, tout à fait comme dans Star Trek. Hein, je vous coupe le son, mais je vous montre les images parce que c'est rigolo. Ça vient du film, je pense, Dark Sky. L'image-ci aussi, elle est rigolote. Bon, c'est un montage, hein. Bah oui, c'est un montage. C'est impensable que cette dame ait les cheveux comme ça qui partent vers le haut, pour retomber d'ailleurs, de toute façon. Et il y a des spéculations à propos d'un groupe nazi renégat, c'est-à-dire rebelle, qui a pris ses libertés, d'être autour de nous depuis un moment maintenant, même jusqu'à servir de base pour des films de science-fiction. Donc, j'ai dit Dark Sky, non, c'est Iron Sky. Un domaine où la fumée est souvent en même temps le feu. Et on enchaîne sur une interview du président ou du premier ministre russe de l'époque. Vous savez, ils ont alterné pendant un moment avec Poutine. Et maintenant, Poutine a pris le rôle de président, il ne le lâche plus. Et donc la question c'est, monsieur le premier ministre, vous savez tout, est-ce que les aliens ont visité la Terre? Et donc monsieur Medvedev va répondre, je vais vous le dire une bonne fois pour toutes, une première et une dernière fois. En même temps que la valise nucléaire, on amène au président un dossier top secret. Et il est entièrement dévolu aux étrangers, aux aliens, aux E.T. qui ont visité notre planète. Ce rapport nous a été fourni par un service spécial qui a la main sur le contrôle des aliens dans notre pays. À la fin de son mandat, deux dossiers et la valise nucléaire sont transférés au nouveau président. Vous trouverez des informations plus détaillées en regardant le documentaire, le film documentaire du même nom,
Men in Black. Donc, il ne fait pas vraiment référence à la série de Men in Black 1, 2, 3. Il fait référence à un documentaire qui concerne justement les Men in Black, mais pas selon la version hollywoodienne, un documentaire russe. Quoique, finalement, on peut tirer de la version hollywoodienne les mêmes idées, quoi. Et la reporter lui dit, oh, combien y en a-t-il ? Combien y en a-t-il parmi nous ? Ah, ça, je ne peux pas vous le dire pour éviter un mouvement de panique. Ça, je ne peux pas vous le dire pour éviter un mouvement de panique. Je fais un encart dans cette vidéo et je vais hacker la vidéo de Pam de Thiers, vous savez, une vidéo qui s'appelle « Les chefs sont là-haut, très loin d'ici », ce qui signifie en anglais « boss are up there, far away ». C'est une interview de Vladimir Poutine, président de Vladimir Poutine, à l'occasion du Ross Congress. On sous-entendait que les Russes avaient des idées d'intervention dans la politique économique européenne, et Poutine répond qu'il ne veut offenser personne, mais que ce que vient de dire Madame Merkel était vrai, mais était dicté. Bon, je vous la simplifie hein, quand même. Je continue à traduire. Je vous assure que quoi qu'elle puisse dire plus tard, sa souveraineté est limitée. D'ailleurs, à l'occasion des alliances militaires et politiques, il est officiellement restreint. Il est écrit et prescrit ce que l'on peut faire et ce que l'on ne peut pas faire. Et en pratique, c'est même encore plus strict. Rien ne peut être fait qui n'a été autorisé. Rien ne peut être fait qui n'a été autorisé. Il parle pour lui, il parle pour les Américains, il parle pour l'Indien. Je crois que c'est un Indien. Oui, c'était le président indien ou le premier ministre indien à l'époque. Peut-être encore maintenant d'ailleurs. Et là c'est le point. Et oui, là c'est le point. Et il va dire, mais qui autorise ? Les patrons. Et où sont les patrons ? There, far away, ce qui signifie là-bas, très loin. Qui autorise ? Les boss. Où sont les boss ? Là-bas, très loin. Et vous l'avez vu, la main ? Bon, là-bas. Pour vous faire remarquer, le délicieux mouvement de main qui accompagne cette phrase. Vers, far away, on voit bien là, sa main est montée. J'adore le petit regard en coin. Donc, on la voit à peine, en fait, maintenant que j'y pense. Elle dépasse de la tête du personnage qui est devant et qu'on n'a pas rectifié à l'écran. Hein. Je pense qu'ils auraient pu l'enlever à l'informatique. Oui, je me demande, il y a un regard dans le public, si quelqu'un a entendu. En effet, Poutine vient de dire que les boss sont là-haut, très loin. Bon, c'était donc un encart hacking d'une des premières vidéos que j'ai faites. Hein, ça va être la 8, 9, 10e, un truc dans le genre, sur ma chaîne. Hein, vous la retrouvez ici. Hop, je m'efface. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. Les boss sont là-haut. Hein, elle a quand même fait 1300 vues, petit à petit, Donc, je ne me gêne pas pour remettre une couche. Et donc, je reprends la vidéo de Robert Seffer, non sans à l'occasion de mon petit voyage sur mon navigateur, avoir constaté et des faits qui m'amènent à remercier Hélène. Et l'initiatrice de ce mouvement, Olivia. Cette interview du Premier ministre russe, Medvedev,
a fait le tour du web, mais a été ignoré par les MSM, les médias majeurs. Et même si on a pu constater que l'intervieweuse, la journaliste, bégayait ou ricanait, lui, non. Il faut comprendre que ces informations sont gardées par un petit groupe de personnes, font mention des men in black, des hommes en noir, ce qui nous ramènerait à une image de Will Smith, l'acteur aux mœurs répréhensibles, semblerait-il, vis-à-vis des petits garçons, notamment son fils, qui pourrait avoir un aspect comique. Mais ce n'est pas le cas du Premier ministre russe, qu'on voit ici en train de prendre le petit déjeuner avec Vladimir Poutine, son président, en t-shirt. Bon, je vous traduis en diagonale, tout ceci nous amène plutôt à l'amiral Byrd. Et voici quelques images que je vous laisse quand même. À l'amiral Byrd et au récit de sa défaite humiliante en Antarctique. Donc, il est ici à traduire des mots d'Adolf Hitler du 13 mars 1945 qui dit « Nous avons des vaisseaux invisibles, des sous-marins et des roquettes au pouvoir incroyable et une bombe qui a un fonctionnement qui va étonner le monde entier. Chacun de mes mots est la pure vérité, vous verrez bien. » Et donc, c'était son discours en s'adressant à des officiers de la 9e armée germaine. Et c'est des documents qu'on peut retrouver dans le livre de Robert Seffer, ou Sepper, intitulé « Occulte secret du Vril ».« Secret occulte du Vril ». Et là, c'est un reportage russe qui dit « Les Américains ont toujours été intéressés dans la technico-magie laissée en legs par la Germanie, l'Allemagne. Il n'y a aucun doute à ce propos. » Et là, il faut que je vous le mette le passage parce qu'il y a quelques images qui défilent très très vite. Alors là, je vous l'ai ralenti la vidéo pour une fois. Voilà. Vous les avez vues. Et on enchaîne sur un autre reportage, ou peut-être le même, russe, en cours, que l'on prend en cours, là, et qui dit « Soudainement, l'inexplicable s'est produit. L'expédition, qui devait durer 6 mois, au moins, a été rapidement avortée au bout de 2 mois, en laissant la côte de l'Antarctique déserte. » C'était vraiment une vraie retraite. Il parle de retraite comme la retraite de Russie, quoi, hein, la vraie Bérézina. Mais pas version Napoléon, version Amiral Byrd. Et pas comme Amiral Byrd, hein, parce que j'ai fait aussi une vidéo sur l'expédition russe sur laquelle a été écrite un livre par un Russe. Et donc, c'est une des premières vignettes où il y a la tête de l'Antarctique, si on peut dire, comme vignette. Je veux dire sur ma chaîne, comme illustration de la vidéo. Le reportage continue en russe. Au début de l'année 1947, une autre expédition dirigée par l'explorateur américain Richard Byrd, qu'on voit à l'écran, est arrivée sur les côtes antarctiques. C'était une très étrange expédition. Et là, il faut que je vous le mette. Donc, je coupe le son et je vous mets l'image. On a quelques images de l'époque. Peut-être que ce serait bien que je vous les mette en grand. Allez, on va essayer de les mettre en grand d'une certaine manière. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas si j'y arrive. Je ne veux pas la mettre trop en grand non plus. Sous le commandement de l'amiral Byrd, il y avait un puissant escadron militaire. Donc, celui qui parle, c'est M. Dimitri Filippoviev, qui est capitaine de première classe et qui est docteur en histoire. Il y avait un porte-avions, 12 vaisseaux de surface, un sous-marin, plus de 20 avions et hélicoptères,
et à peu près 5000 hommes d'équipage. Vous conviendrez que c'est un étrange équipage pour une expédition scientifique. Le 2 décembre 1946, lors d'une conférence de presse, l'amiral Byrd a dit, avant le départ de cette expédition, « Mon expédition est de nature militaire », sans donner plus de détails. À la fin de janvier 1947, une reconnaissance aérienne à grande échelle a commencé à se dérouler en Antarctique, dans la région du pays de la Reine Maud, qui se situe donc dans cette région-ci. Il va nous faire un zoom. Là, et il me semble que c'est plutôt par là, si je me rappelle bien. Non, pas que j'y ai été, mais j'ai déjà vu la carte. Moi, j'y ai pas été, non. Non pas parce que je crois que la Terre est plate et entourée d'un mur de glace, parce que c'est justement ce qui m'amène à la question, quelle est la distance entre deux stations au pôle sud ? Parce que si le pôle sud est effectivement l'Antarctique, qui est un continent au pôle sud, sur une Terre sphérique, leur distance va être de quelques milliers de kilomètres. Tandis que si, au contraire, la Terre est plate entourée d'un mur qui est considéré comme étant le pôle sud, chacune des bases doit être à un endroit et leur distance entre elles, là, devient calculable en dizaines de milliers de kilomètres, en beaucoup plus de milliers de kilomètres. Hein? Je dis ça, je vais mettre un glaçon. Donc, j'ai mis un glaçon, là. Dans certains esprits, j'ai dû mettre un glaçon. Bah écoutez, je tâcherai de faire preuve du même esprit critique à déceler les fausses preuves comme quoi les scientifiques disent la Terre est sphérique. Donc, je me suis régalé avec toutes les fausses images de la NASA, de la Lune, de l'ISS, enfin, toutes les incongruités qu'on peut relever dans leur propre description. Je me régale à voir que les tenants de l'univers électrique ont prédit des choses que les observations de la NASA révèlent, alors que les explications et les hypothèses de la NASA, par contre, tombent complètement à l'eau et que les scientifiques de la NASA sont baffled, sont époustouflés par le résultat, sont ébahis, étonnés, surpris. Toutes leurs hypothèses tombent à l'eau avec leurs propres observations qu'ils font par la suite. Tandis que ces observations étaient prédites et déductibles par le biais du raisonnement qui prend en compte l'univers comme étant un univers électrique, plasmatique, électromagnétique, comme vous voudrez. Bien, continuons. Durant les premières semaines, tout se déroula selon le plan. Des dizaines de milliers de photos furent prises. Et là, c'est pareil, il faut que je vous le mette. Soudain, l'inexplicable se produit. Il faut que je vous le mette parce que si vous voyez la côte, là, elle était normale, quoi. Après 6 mois d'expédition, une expédition déterminée à durer 6 mois s'arrêta soudainement après 2 mois. Donc, on a les images de l'expédition, là. Ils ont fui la côte antarctique. C'était une retraite réelle et rapide. Je vous laisse ces images. Ils ont perdu un destroyer. Ils ont perdu quasiment la moitié de leur aviation qui était sur le porte-avions. Ils ont perdu des douzaines de marins et d'officiers. Aux membres de la commission d'investigation, d'enquête, au Congrès américain, l'amiral Byrd a dit, ou a expliqué, si jamais il se produisait une autre guerre, l'Amérique peut être attaquée par un ennemi qui a la possibilité de voler d'un pôle à l'autre à une vitesse incroyable. Et là, il y a l'image
dont je vous dis qu'on voit en travers de la mature passer un objet, ben, j'ai coupé l'image, le défilement juste au moment où il rentre dans l'image, là, et là, je vais vous le ralentir. Hein, parce que ça, voilà, au maximum que je puisse sans que ça devienne vraiment insupportable. Ça y est, c'est ralenti, on y va. Vous le voyez, ce truc-là, que là, ça bug, mais voilà, voilà. Alors, est-ce que vous pensez que c'est un photoshopage? Vous voulez qu'on se le refasse? Avec plaisir. Enfin, moi, je veux bien. L'ordi, par contre. Oh là là, mais quel plaît, mais quel plaît. Ouais, c'est-à-dire, il me prend les commandes, mais avec le temps. Donc, on attend. Je meuble. Donc, chaise, table, armoire. Oui, moi, j'ai des chaises et quelques tables, mais je n'ai pas d'armoire quasiment. Alors. C'est souk. Hein. Alors, est-ce que ça défile là? Oui, ça défile. Donc, on va y arriver. Ah, ben, dites donc, il est revenu vachement en arrière hein, quand même. Et là, je vous le mets en grand. Je m'efface le plus possible. On va y arriver, on va y arriver. Mais soyez pas impatients. Non, c'est vrai que c'est bizarre. Hein, non, vous savez que c'est un vieux film. C'est à la pellicule, noir et blanc, quasiment, on dirait. Donc, ça, c'est de la couleur, vous me direz. Les premières couleurs, je crois bien. Ah, ouais, on va essayer de l'accélérer, mais bon, j'ai un doute. Voilà. Oh là là, excellent. Donc là, on le met en grand. Et on y va. On est à combien? Allez, on essaye 0,10. Donc là, l'image commence déjà à être obscurcie, là, hein, vous voyez? Par une soucoupe volante, mais bon, déterminez-le par vous-même. On en voit. Il y a une image sur 10. Enfin, une vitesse d'un dixième, quoi. Est-ce que vous pensez qu'ils ont travaillé chaque image là avec un pinceau à, comme pour le maquillage, là, c'est un nom particulier, à moufter ou. Vous la voyez, hein? Écoutez, ça fait plus tâche qu'autre chose. Hein. Peut-être que c'est un montage. Il n'y a pas de relief, il n'y a rien du tout. D'un autre côté, ces véhicules sont emballés d'électromagnétisme. Ça ne m'étonne pas que la caméra n'ait capté que ça. Donc, on continue. Qu'est-ce qui a poussé les Américains à fuir? On va remettre la vitesse normale et même l'accélérer. Hein. En 1945, 18 mois après le début de l'expédition de l'amiral Byrd, deux sous-marins allemands, germaniques, sont entrés à Mare del Plata, qui doit être ici, si je comprends bien. Donc en Amérique du Sud. Donc un port en Argentine. Et ils se sont rendus aux autorités. Ils se sont rendus aux autorités. Ils viennent se livrer dans le port. Ce n'étaient pas des sous-marins ordinaires. Ils faisaient partie de ce qu'on appelait le convoi du Führer. Bon, je vous coupe le son, et ça tourne là, oui, et je vous mets le film, parce que c'est peut-être bien des images d'époque, je ne sais pas. Je ne peux pas vous certifier que ce qu'on a vu filmer là, c'est l'arrivée des deux sous-marins allemands dans le port de Mare del Plata, vu là où est positionnée la caméra, vu plein de choses. Quoi. Mais enfin, cet événement a été retracé dans les journaux locaux, hein, ainsi que le discours de l'amiral Byrd, qui dit « on va être confronté à des vaisseaux qui peuvent passer d'un pôle à l'autre à toute vitesse ». Donc, je continue aussi là, une flotte top secret qui remplissait des missions dont les détails sont restés secrets jusqu'à maintenant. Je vous remets les images. L'équipage du sous-marin était rechigné
à coopérer. Mais malgré tout, les Américains ont appris quelque chose, plusieurs choses. Vous voyez, c'est peut-être des images de l'époque. Le commandant du sous-marin U-530 a parlé de son implication dans une opération dont le nom de code était Valkyrie 2. Et 2 semaines avant la fin de la guerre, je vous laisse défiler, le sous-marin U-530 a quitté le quai et est parti pour les côtes de l'Antarctique. Pire. Mais quand même, on va le prendre en compte. À bord de ce sous-marin, il y avait des passagers dont le visage était couvert avec des bandages, ainsi que des reliques, si on peut dire, du Troisième Reich. Donc, qu'est-ce que ça peut être des reliques du Troisième Reich? Des insignes, des objets, des imprimés sûrement avec la croix gammée, les aigles d'Hitler et tout ça. Des coffres, des documents, oui, évidemment, de la thune, de l'or, des diamants, il va y avoir pas mal de choses comme reliques. On continue. J'espère que je suis toujours un petit là. Le commandant d'un autre sous-marin, le U-977, qui s'appelait Heinz Schäfer, a témoigné plus tard qu'il suivait la même route. Il s'avéra que les sous-marins allemands pratiquaient cette route de manière répétitive. Alors, donc, il y a tout un texte en anglais, là, dont je ne vais pas vous traduire autre chose que juste ce qui est souligné. Et ils venaient se ravitailler, se ravitailler à des stations de ravitaillement, donc, dans les Açores. Et nous pouvions considérer qu'il appartenait au gouvernement du Portugal. On peut considérer ça comme un fait accompli, donc une réalité. Mais pourquoi est-ce qu'ils allaient là-bas? Donc là, j'ai un peu accéléré quand même. L'Antarctique. Et on va redescendre un niveau. Hop. Et donc, il nous dit, pourquoi aller là-bas? L'Antarctique. Regardez les images. Il n'y a pas de glace là-dessus. Il y a même des lichens sur les pierres. Récemment, d'immenses lacs souterrains ont été trouvés à 1 km en profondeur en dessous de la glace. Je croyais que c'était un peu plus qu'un kilomètre même. Ah, il faut que je vous laisse le film. La température du lac est de 18 degrés Celsius. Elle est bonne. 18 degrés, ah, c'est frais, c'est vrai, c'est même super frais. Mais elle est bonne, hein? Par rapport à l'Antarctique, moi je dis, elle est bonne. L'eau de mer, elle doit être à 3 degrés. On y tient 2 minutes. Avant de mourir. C'est pour ça que les marins n'apprenaient pas à nager à l'époque. Ce n'était pas la peine. Quand ils tombaient à l'eau, en général. Enfin, ça dépend des régions, quoi, en tout cas. En général, il n'y avait pas le temps pour le navire de s'arrêter, d'envoyer une chaloupe. Ils étaient congelés, quoi. Vous imaginez le processus de. Le sang ne circule plus, donc vos muscles ne circulent plus, quoi. Situé au-dessus de la surface de l'eau, il y a des espaces en forme de dôme qui sont remplis avec de l'air chaud. Donc là, ils nous mettent un petit schéma. Donc ça, c'est le blanc, là, c'est pas le ciel, hein, c'est la couche de glace. La couche de glace, qui, à mon avis, fait plus d'un kilomètre. Il me semblait qu'elle faisait 4 kilomètres. Ou en tout cas 2. Enfin bon, toujours est-il.
Et puis on estime que c'est une région très volcanique, et donc il est fort probable que de toute façon il y ait des sources chaudes qui puissent créer non seulement le lac, mais en plus par son dégagement, la fonte au-dessus d'un dôme de glace. Mais on parle là de dômes sous la glace, hein, donc des choses qui disparaîtraient si la glace disparaissait. Toutefois, pardon, j'entrevois à moi qu'il y ait des chemins sous-marins qui passent là-dessous et qui accèdent à des cavernes en dessous. Et ce sont ces cavernes-là en dessous qui dateraient de millions d'années, qui sont plus ou moins habitées par d'autres entités avec lesquelles les nazis ont fait copain-copain à un moment donné, raison pour laquelle c'est là qu'ils ont été se protéger, et même que ces entités leur ont laissé des cavernes qui étaient déjà creusées. Ils n'ont pas eu à les creuser, ils ont juste amené, ils ont emménagé. Les entités se réfugiant, enfin, se déplaçant plus loin ailleurs, dans le coin. Hein. C'est un continent, c'est quand même immense hein, ce pays-là. Ils disent qu'il est probable que depuis ces lacs chauds, un flot constant d'eau chaude coule vers l'océan. Et là, il y a encore des images, donc je vais vous les mettre. Pour des milliers d'années, ces rivières chaudes pourraient avoir formé des tunnels. Qui sont idéaux pour permettre la construction de bases secrètes. C'est bien hein, comme image, là. Depuis les fonds de l'océan, tous les sous-marins pourraient aisément passer sous la glace des côtes, à l'intérieur de ces tunnels. Et voilà. Hop, une base complète. À portée de main, sous-entendu. Qui serait protégé des ouragans, des tempêtes et du froid polaire, complètement isolé et caché de l'extérieur et hors de portée des ennemis. Beaucoup pensent qu'en cas de défaite, à l'issue de la guerre, l'Antarctique serait un port d'accueil en sécurité pour l'élite du Troisième Reich, celle qui n'a pas été récupérée par le plan Paperclip. Surtout que depuis 1942, il y a eu un transfert d'habitants jusqu'à vers la nouvelle Schwab, donc Neue Schwabeland. Ce transfert avait commencé, incluant des scientifiques, donc là je vous le mets, il y a des images, des ingénieurs, des membres et des représentatifs du parti nazi, et de l'État allemand. Du gouvernement allemand. Certaines technologies au secret industriel ont aussi été transférées depuis l'Allemagne. Donc là, il y a quelques images, raison pour laquelle je vous laisse défiler. Après la guerre, les Américains ont recruté les scientifiques nazis pour travailler aux États-Unis. Mais ils ont été choqués de trouver des milliers de spécialistes du Troisième Reich hautement qualifiés. Ils ont été stupéfiés de constater que des milliers de spécialistes nazis hautement qualifiés avaient disparu et n'étaient pas considérés comme morts, n'étaient pas sur les listes des morts. Plus d'une centaine de sous-marins avaient aussi disparu. 114, je crois. Et qu'on n'a jamais retrouvé. À qui appartenaient ces soucoupes volantes? Était-il possible que ce soit à l'Allemagne nazie? Bon, il y a de l'image, je vous le mets. Partie 2, Lannerherbe. Lannerherbe, c'est une division de personnel qui est dédiée à la recherche des renseignements à propos des ancêtres. D'une certaine manière, les grands blonds, quoi. Hein. Mais enfin, bon, le type a rien d'humain aussi. Après la guerre, dans les archives secrètes des nazis,
Des photos et des schémas intrigants ont été trouvés. Donc, je vous la mets aussi à l'écran. Il prouvait que les scientifiques allemands étaient actuellement engagés dans le développement de vaisseaux de forme discoïdale. Et hop, si vous voyez ça, celui qui vient de disparaître, celui-là en plus petit, quoi, quelque part, ça ressemble un petit peu aussi au vaisseau de Billy Mayer, hein, enfin, qui abritait la copine de Billy Mayer et son pote. Alors, Pta et Semyazé. À cette époque, rien de tel n'existait. Comment est-ce que les scientifiques nazis se sont débrouillés pour créer un tel décalage technologique entre leur technologie et la nôtre, celle des alliés? Maintenant, un petit encart de la part de la vidéo sur la société de Lanne Herbe. C'est l'une des organisations les plus mystérieuses du Troisième Reich. Encore aujourd'hui, les services secrets de pouvoirs influents, des nations influentes d'aujourd'hui, sont à la recherche de ces secrets. Mais pourquoi donc? C'est simple. C'était la seule structure historiquement connue qui était engagée dans l'étude de l'occulte et du mysticisme. Encore. Mais bon, depuis, il y en a eu d'autres. Puis bon, malgré tout, il n'y avait pas que celle-là, peut-être même à cette époque-ci, mais bon, globalement, restons-en là. Organisation qui, en plus, bénéficiait du soutien de l'État et de ses finances. Donc, aucune organisation au monde avait à sa disposition un tel volume de données. Bon, il y a quelques images. Ou avait une telle influence sur le développement occulte de la technologie. Non, sur le développement de technologies occultes telles que Lanne Herbe en disposait. Les fondateurs de Lanne Herbe ont été amenés jusqu'au plus haut niveau du Troisième Reich. Les recherches sur le savoir occulte et les phénomènes paranormaux par Lanne Herbe ont reçu l'aval, la bénédiction du SS Reichsführer Himmler lui-même. Alors, on a du gratin là à l'écran, là. De gauche à droite, on a du gratin. Par contre, je ne veux pas me tromper dans les noms, donc je vous les dirai pas. Mais lui, là, je crois que c'est le financier. Donc Himmler, qui non seulement a agi de sa propre initiative, mais aussi sous les instructions d'Adolf Hitler. Officiellement, la société fut fondée en 1935 et avait pour but d'explorer les racines historiques de la nation germaine allemande. Quand on traduit Lanne Herbe, en fait, ça signifie l'héritage des ancêtres. Toutefois, l'intérêt de la société était bien plus large que l'étude de l'histoire allemande. Les leaders du Troisième Reich comprirent qu'il n'était pas nécessaire d'avoir une armée énorme, immense, pour gagner des guerres futures. C'est pourquoi ils ont adopté l'insidit concept de qualité supérieure, voire même plutôt de supériorité qualitative. Le qualitatif au lieu du quantitatif. Par ce biais-là, il est possible de gagner des guerres avec des troupes relativement réduites, mais utilisant des forces de haute qualité. Et de manière à leur fournir cette supériorité qualitative, Lanne Herbe leur a amené des spécialistes dans l'occulte. Ce n'est pas traditionnel, mais c'est du savoir paranormal. Non, des spécialistes dans l'occulte, le non traditionnel et le savoir paranormal. Et de manière à provoquer cette séparation, cette,
cette élévation de niveau technologique dans des domaines où les opposants ne seraient pas compétents. L'idéologie nazie était basée sur la théorie que dans le passé, il y avait un pouvoir puissant, une civilisation terrestre puissante qui avait accès aux secrets de l'univers. Quelque part, crypté et caché, ce savoir supérieur était préservé. Et spécialement, ils se sont attelés à faire revivre en Allemagne le super-humain, comme dans leur rôle de descendant d'Aryens. Il y avait un intérêt pour l'Atlantis. Les scientifiques de l'Anaerbe pensaient que c'était l'origine, la patrie de la race aryenne, l'Atlantis. Raison pour laquelle les Germains se sentaient autorisés à accéder au savoir de cette technologie atlante. En accord avec les bibliothèques ou les livres d'une des bibliothèques Postonsky. En mars 1945, il a été témoin de troupes soviétiques qui approchaient le territoire allemand et l'Anaerbe était en train d'évacuer ses bibliothèques, emmenant avec elle 140 000 volumes. Il serait fort intéressant de tomber sur le catalogue de cette bibliothèque. Alors, le catalogue, c'est la liste de tous les livres qu'il y a dedans. Et peut-être de quoi il traite aussi, mais en succinctement, quoi. Il est possible que l'Anaerbe ait appris quelque chose d'incroyable à propos de l'Antarctique. Ils ont fait de l'étude de ce continent un des buts principaux du leadership nazi. Il semblerait bien que les SS étaient à la recherche d'un savoir spécifique. Il y a eu des études qui ont été conduites sur le paranormal, les capacités paranormales des hommes, de leurs membres, et les résultats ont été inscrits sur les dossiers personnels du personnel. Puis, lorsque la guerre a commencé, les officiers dotés de ces capacités paranormales, et là, je suppose en encart que tout le monde a vu Hellboy, H-E-L-B-O-Y, Hellboy, avec les expériences tirées de Rudolf Steiner, dont on ne s'occupe là que d'un côté occulte, peut-être d'ailleurs tourné uniquement vers le mal, ou la recherche de forces obscures plutôt néfastes, ce qui n'est pas forcément la réalité de son travail tout en entier, bien au contraire. Le mode d'éducation dans les écoles Steiner est assez remarquable. Ça, je crois que c'est en rapport avec Montessori aussi, enfin, c'est dans le même genre. Ça propose à l'enfant un développement à sa mesure, à son rythme, et avec une multitude de stimuli qui sont aptes à déclencher chez lui le plaisir et les facilités d'apprendre à vivre. De manière rapide, efficace, etc. Hein? Naturel, quoi. Rien à voir avec notre éducation scolaire généralisée en France actuellement. Hein? Surtout avec les derniers changements de programme qui sont de l'ordre du criminel. Médicalement parlant, les toubibs disent qu'il est criminel de confronter les enfants à de telles manières de faire. Je suppose qu'il doit parler de l'éducation sexuelle forcée chez les enfants, chez qui la simple vision d'un baiser entre deux amoureux à 300 mètres provoque déjà de moult tumultes émotionnels. Donc, vu qu'ils n'ont même pas encore l'ombre d'un poil en vue, les confronter à des pratiques sexuelles ou à des déterminations sexuelles provoque des traumatismes. Vous me direz que chez les enfants qui ont été vaccinés très rapidement avec 11 vaccins délétères qui provoquent c'est un acte iatrogène, ça provoque des traumatismes aussi physiologiques, ce qui fait que le cerveau ne continue pas un développement harmonieux.
Ce qui fait qu'il est fort probable que quelques années plus tard, donc une année ou deux plus tard, il ne soit plus doté d'un comportement psychologique naturel du fait des problèmes inhérents à la machine qui leur sert de support à ce développement psychologique. J'entends par là le cerveau. Le cerveau, c'est une machine. S'il marche bien, je traduis un peu mon charabia, quoi. Bon, le cerveau, c'est une machine. Si vous la construisez correctement, elle fonctionnera bien. Si vous lui donnez le bon carburant, elle fonctionnera normalement, hein, d'ailleurs, mais encore mieux que bien, quoi. En fonction de la qualité du carburant. Mais là, on parle même de la structure du cerveau. Parce que quand vous introduisez des corps étrangers dans une entité, corps qui sont contre l'apport desquels l'entité n'a pas été calculée pour fonctionner avec, elle va réagir, elle va créer des inflammations, enfin bon, il va se passer des choses terribles au niveau de son développement. Et donc, par la suite, les circuits fonctionnent moins bien. Ça vous donne des enfants parfois peut-être hyperactifs, très souvent des autistes. Ça explique la montée en flèche de l'autisme dans nos pays, après l'Amérique. Et 20 ans après l'Amérique, nos scientifiques se demandent pourquoi. Alors que là-bas, ils ont déjà déterminé que c'était la jonction de mercure notamment et de métaux lourds dans les vaccins qui provoquaient des inflammations cérébrales. Donc, hop, encart santé. Le docteur Klinghardt propose de nombreuses vidéos autour du thème de la purification des métaux lourds, la chélation. Hein, donc, il faut absolument regarder ça. Il y en a qui sont traduites en français. Il y a des sites qui sont dédiés à ça. La dépuration, le nettoyage, la purge. Vous regardez Thierry Casasnovas, vous regardez Régénère.org, donc... vous regardez Le Chou Brave, vous regardez Irène Grosjean, vous regardez... Ah ben pour être sûr que je ne vous dis pas des bêtises, vous intéressez rien qu'aux adjuvants alimentaires. Et là, c'est Corinne Gouget. Vous regardez les travaux qu'elle a fait avec Sylvie Simon, Claire Sévrac, Corinne Gouget et les vidéos dont ils ont parlé à propos de la santé et de l'alimentation. Et puis, sinon, pour les vaccins, il y a le docteur Vercoureur, il y a le docteur Tal Schaller. Il y a, là, vous allez voir le site Ah, m'échappe celui-là. Ben, entre autres, Ciel Voilé, hein, qui va parler aussi de Chemtrail, mais je pense qu'il est passé par les ondes et qu'il est aussi passé par les vaccins. En tout cas, il traduit assez souvent des émissions allemande de la KLA TV, KLA, en petit, en minuscule. Excellente, excellente. Je vous dis juste ça, excellente. Et donc, pour en revenir à l'autre site, c'était... Oh, m'échappe, son avatar, c'est un petit chien. Je ne vais pas vous laisser attendre. Artemisia College. Voilà le chien en question. Oh ben c'est clair que c'est un copain. Hein. Moi, j'ai celle-là en plus. Bon, on rigole. Du coup, je me suis un peu perdu dans mon encart. Là. Donc, on va continuer le discours de la vidéo d'origine. Et donc, quand la guerre avait commencé et que les officiers dotés de ces capacités paranormales, parmi d'autres qui possédaient aussi des dons paranormaux, ont tous été réunis dans un département simple, l'Anherbe, de l'Anherbe. Mais malheureusement, il n'y a pas de rapport. Ce sur quoi travaillait ce département de l'Anherbe, bah, il écrivait le scénario de Hellboy. Et hop, le cercle est bouclé. Et de manière plus importante, non plus sur les résultats qu'ils ont réussi à obtenir.
Donc là, il y a une liste qui peut être intéressante pour certains d'entre vous à regarder. Donc, je vais vous la laisser défiler. Et il est écrit qu'un des principaux objectifs poursuivis par les experts de l'ANAERB était l'usage de ces capacités paranormales pour contacter des êtres inconnus. Des êtres inconnus. Ah, est-ce que je vais faire un encart sur la reine Elisabeth I, première, sur sa collaboration avec John Dee, l'adjonction de Edward Kelly, je crois que c'est Edward Kelly, à ce team de recherche et de rétention de l'information lors de leur contact, oui, je fais l'encart, avec les macrobes. Ce qu'ils appelaient les macrobes, ce qui va donner quand même lieu à une vidéo aussi, là, peut-être dans la foulée, si j'ai encore la pêche. Les macrobes étant les archons, ayant communiqué avec lui, lui ont communiqué l'alphabet d'Enoch, qui est composé d'une quarantaine, me semble-t-il, d'idéogrammes qui changent de signification suivant la position qu'ils ont dans l'espace, hein, la tête en bas, enfin, vous voyez, vous faites tourner, ça fait quatre possibilités pour chaque lettre. Et quand je dis quatre possibilités, il est fort probable que je sois un peu simple. Mais je crains que si je vous dis que c'est quatre au carré, je perde tout le monde et moi-même, peut-être que je me trompe là. Mais en fait, toujours est-il que c'était quelque chose de si difficile à apprendre que John Dee n'a pas réussi, n'a pas, c'est un bon feignant, hein. Oh, ça va pas, non, je n'arrive pas à apprendre tout ça là. Donc, du coup, il s'est fait taser par les entités depuis l'interdimension, là, d'où elles étaient, et on lui a downloadé ce savoir-là en 20 minutes. Mais je crois que c'était les 20 minutes les plus pénibles de sa vie, hein. Je crois qu'il a souffert. C'était douloureux, c'est un passage excessivement douloureux. Et donc, en 20 minutes, il a pris la connaissance du langage énochien, ce qui lui a permis de communiquer par la suite avec les macrobes et d'obtenir de nombreux résultats scientifiques, des orientations, des aides et tout ça, jusqu'au moment où les macrobes lui ont dit, eh bien, écoute, mon gars, maintenant, ça va, ça te plaît, notre boulot, notre cohabitation, là, notre collaboration, mais collaboration, toi, tu prends tout et tu ne nous donnes rien. Nous, on veut aussi quelque chose, on veut de l'énergie, on veut du sang. Et là, ont commencé les sacrifices sanguins. Enfin, ont commencé dans ce milieu-là de John Dee. Sinon, ils ont finalement continué. Et puis, leur histoire de collaboration a très mal tourné avec Kelly et tout ça, sa femme qui a été mêlée aux magies, aux rites magiques sexuels, etc., etc., aux emprisonnements des uns et des autres. Et ça a très, très mal terminé pour tous, sauf la reine, hein, qui, elle, a bénéficié de la victoire sur l'invisible Armada, qui s'est pris une tornade inexplicable dans la Manche. Donc, je me demande s'il y a des écrits par les météorologues de l'époque normand, puisque, ou breton, ou pas moi, Granville, Cherbourg, ou même Brest, non, le dessus. C'est Perros-Guirec, je crois, au-dessus là, non? Je sais pas. Saint-Malo, en tout cas. Saint-Malo, c'est un peu bas. Mais oui, Saint-Malo aussi. Parce que la Manche, c'est pas large et que une tornade subite là qui fait tomber l'armada. Je pense que ça a dû être observé de partout, à moins qu'elle soit vraiment très localisée. Ce qui ne m'étonnerait pas, puisque c'est carrément un acte magique de sorcellerie noire, hein, qui a dû donner lieu à de nombreuses morts sacrifiées, hein, a priori. Ça, je commence à ne pas en douter. Mais bon, à cette époque-là, vous savez, la Tour de Londres, les mœurs de ces grands, la Barbe Bleue, ils n'arrêtaient pas de se baigner dans le sang des jeunes nymphes et tout ça. Ça n'a pas changé, ça continue aujourd'hui. Hein.
Et ça continue aujourd'hui en relation avec des skunkworks, c'est-à-dire les projets noirs, les projets secrets, les projets qui puent, qu'on ne veut pas voir. Vous ne voulez pas être au courant. Les projets secrets des projets secrets des entreprises de pointe. Donc, Lockheed Martin et autres engeances prédatrices de l'humanité en ce moment, très très fort, hein, mais très très grave. Que ce soit par le biais de l'intelligence artificielle ou d'autres, de surveillance et de contrôle et manipulation de la population à distance, que ce soit un individu ou des foules. Bon, il faut absolument aussi que je vous traduise les vidéos d'Art Journalist. Il a fait une série de 50, c'est la série X. Pour les anglophones, Dark Journalist, X série, vous allez halluciner, vous allez voir. C'est hallucinant, ça continue. Il y a une jonction entre la haute technologie et le haut occulte. Bien, je crois qu'on va continuer un petit peu ça là, hein, c'est parce qu'on commence à s'éloigner un petit peu. J'espère que je vous ai pas perdu ni gonflé. Hein. Mais ça prend en compte, quoi, parce que c'est le sujet, c'est le domaine, c'est le monde dans lequel nous sommes, c'est la région vers laquelle nous nous dirigeons, de l'enfer. Ah oui, parce que les entités, là, vous savez, elles vous donnent un truc, mais elles ont une idée derrière la tête. Et vu leur alphabet, ils ont un QI légèrement supérieur au nôtre, quoi. Pour manipuler cet alphabet-là de manière courante, vous imaginez, vous changez une lettre et... Vous avez au moins quatre positions pour cette lettre. Et à chaque fois, elle change la signification du mot. Vous imaginez le langage que vous pouvez développer à partir de ces bases-là, quoi. Surtout qu'il me semble bien qu'il y a 40 lettres, mais je ne suis pas sûr ça. Peut-être qu'il y en a moins. Il me vient 18 là, à l'esprit, mais je me trompe. Peut-être 18, je ne sais pas. Toujours est-il. Bon, on reprend. Partie 3 de ce documentaire russe qui a été repris par Robert Seffer dans le cadre de la disclosure OVNI à propos des bases antarctiques, enfin de l'Antarctique et de la base 211 et du pouvoir Vril. Et là, je pense que je vais devoir vous remettre un petit peu de film parce que si on parle des soucoupes volantes, Saucer, c'est la soucoupe. Bon, je prends le risque, on continue. Bon, ça vous a rien dit, oui. C'était un peu bref, c'est vrai. Les membres de la société secrète de Thule, T-H-U-L-E. On parlait de l'Anerbe, hein, mais la Thule aussi, et l'Avril, bon, tout ça, c'est un peu main dans la main à la fin, hein, quelque part. La société Thule était donc les prédécesseurs de l'Anerbe. Et parmi leurs élus, il y avait deux médiums expérimentés ou décontactés, comme on dit aujourd'hui. Un d'entre eux se cache sous le nom mystérieux de Sigrun. J'ai dit un, mais c'est une. L'autre est Maria Orsic de Zagreb. Et elle parle d'étranges choses dans un état de transe. Elle parle d'une civilisation dans la constellation du taureau et elle a reçu d'incroyables informations techniques. Donc, c'est ce que je vous disais qu'elle avait transmis en ancien sumérien. Peut-être que je me suis trompé pour l'ancien sumérien, du coup, je ne sais pas. On va voir. Ce savoir surprenait tout le monde. Ah, ce savoir n'a pas surpris... Au contraire, il a attiré un intérêt immense. Excusez-moi, je bafouille un peu. Et il concernait la construction d'un véhicule volant inusuel, inhabituel, qui pouvait altérer le flux du temps autour de lui. Ah ben ça, ça a amené à Die Glocke. Ah, il y a la cloche. La cloche, c'est le nom de ce vaisseau spatial qui avait une forme de cloche. Ce qui est intéressant, c'est qu'en allemand, Die Glocke, c'est non seulement la cloche, mais aussi la montre, le temps, l'horloge.
Je m'amuse bien quand même. Enfin, ils m'amusent bien, quoi. Enfin, ils sont. C'est intéressant comme manière de réfléchir qu'ils ont, quoi. C'était un pas vers le rêve de cette société secrète. Une machine à voyager dans le temps qui pénétrerait profondément dans l'histoire, obtenant la connaissance des anciennes hautes civilisations. Celles qui ont construit ces trucs qu'on n'arrive pas à reconstruire aujourd'hui, là, les pyramides, et ci et ça. Petit encart à propos des pyramides, Jean-Pierre Petit est disposé, si on lui en donne les moyens, à construire une pyramide, parce qu'il a un système mécanique assez simple qui ne nécessite ni lévitation, ni ovni, ni ziti. Voilà. Il va pouvoir construire une pyramide. Je ne dis pas qu'elle aura les mêmes pouvoirs que celle qui est en place, parce que j'attribue à la qualité des pierres et à leur disposition d'autres savoirs encore qui relèvent de des bioénergies et qui ne sont pas pris en compte dans la technologie Jean-Pierre Petit. Mais c'est très, très intéressant. Il faut que vous regardiez cette vidéo de Lilou Massé, c'est en français. Lilou. Massé, M-A-C-E, E accent aigu. Avec Jean-Pierre Petit, puis ça s'intitule comme ça, je crois, Construction des pyramides. Enfin, vous regardez, c'est dans cette dernière vidéo. Il dit plein de trucs, Jean-Pierre Petit, là-dedans. Il dit qu'il a carrément fait une OBE, une expérience hors du corps, lors d'une nuit en Égypte, même plusieurs, qui lui ont permis de retourner dans le temps et de voir la construction et de prendre des notes. Hein, c'est un scientifique curieux, Jean-Pierre Petit. Il est super, hein. Il est super. Il a refusé de se mettre au service de l'armée, lui. Quand il a vu que tout ce qu'il inventait, ça avait des buts de destruction, de mort, il a dit non, non, pas avec moi. Et il est encore vivant. Il a de la chance aussi, hein, quelque part. J'en connais d'autres qui ne le sont plus. Ben, je pense que Tesla, il est mort rapidement, par exemple, parce qu'il avait saboté l'expérience de Philadelphie, je pense. Il n'y avait pas de moyen de pression sur lui, il n'avait pas de famille proche, il y avait ci et ça. Ils l'ont simplifié. J'en suis presque sûr. Bon, on continue. Donc, il n'y a pas de surprise concernant ce fait bien connu. C'est-à-dire que la plupart des équipes qui sont dans les stations américaines en Antarctique font partie de l'Agence de sécurité nationale des États-Unis. Ça, je ne savais pas. Ce sont des employés militaires, des techniciens, des espions, de l'espionnage électronique, et des employés de la CIA. Ces catégories de personnel représentent le cœur du personnel de recherche dans les stations américaines en Antarctique. Le docteur Herman Hobarth, qu'on a là à l'écran, je vais me faire tout petit, pas par respect, par humilité plutôt, qui est la personne qui s'est occupée des roquettes, des missiles pour l'armée allemande, et puis par la suite pour les lancements humains américains vers l'espace, a dit un jour de manière cryptée, nous ne pouvons pas prendre les honneurs pour nos avancements techniques, ça ne vient pas uniquement de nos champs d'études scientifiques, nous avons reçu de l'aide. Nous avons été aidés. Et quand on lui en a demandé plus, quand on lui a demandé qui, il a répondu énigmatiquement, des gens d'autres mondes. Alors là, on n'est pas avec Edward Kelly, à mon avis, et John Dee et la reine Elisabeth. On n'est pas avec eux là. On est avec d'autres entités. Donc, on passe du domaine
du transdimensionnel à toujours la même dimension, mais sur d'autres planètes. Et maintenant, je vous dis toujours sur la même dimension, ben, en tout cas, ceux-là de d'autres planètes peuvent intervenir ici, peuvent intervenir d'une manière ou d'une autre, quoi. Alors, on sait que les médiums Zygmunt et Maria Hortzisch ont channelé, mais je crois bien que ils ont été en contact avec des entités, raison pour laquelle un soir Hitler a hurlé dans sa chambre et quand les gardes se sont précipités, ils l'ont vu blême, tremblotant, chevrotant, épuisé. Et ils lui ont demandé qu'est-ce qu'il y a et lui, il a dit, je ne peux pas vous dire, j'ai croisé le surhomme. Il n'a pas dit, je ne peux pas vous dire, ça c'est Napoléon en ressortant de la grande pyramide qui a dit « Si je vous le disais, vous ne me croiriez pas. » Non, lui, il a dit « J'ai croisé le surhomme. » Alors, est-ce qu'il est tombé sur un grand blond plutôt, peut-être un grand blanc aussi, on va savoir. Il y a peut-être un jeu de l'esprit mental de leur part qui nous fait croire que l'un c'est l'autre et l'autre c'est l'un, quand on les voit. Ou est-ce qu'il a fait face à un draco, un reptilien moyen? Comme il a parlé de surhomme, à mon avis, il est tombé sur un grand blond qui a peut-être shifté sous ses yeux ou qui, bah en tout cas, il l'a fait flipper grave, quoi. Mais d'un côté, il l'a fait flipper grave et de l'autre côté, il a stimulé son envie à obtenir parmi ses soldats des Übermensch, des super soldats. Les 10 super soldats ont continué par le biais du projet MKUltra, entre autres, et plein d'autres, projet Rainbow, projet je ne sais plus lesquels, projet Superman, ou par le biais justement de rupture de du psychisme de la personne, de sa personnalité, on obtient dans un état de transe chez eux, souvent avec adjonction de drogue et de torture et de plein de choses, la possibilité de disposer, voire même d'acquérir, de ces pouvoirs paranormaux, qu'on va traiter paranormaux, parce que pour nous, ce n'est pas normal. Mais en fait, dès qu'on pratique un petit peu ces domaines-ci, dès qu'on fait peut-être du chamanisme ou des bioénergies de manière approfondie, on est confronté à ces mondes parallèles qui nous emballent. Donc, ce n'est pas du paranormal, c'est juste du normal qu'on ne voit pas. Parce que notre espace de vision, c'est 5% de la gamme de fréquences électromagnétiques disponible. Et encore, quand je dis disponible, je pense qu'ils ont mis des limites qui n'existent pas à un moment donné. Mais enfin, toujours est-il, on en voit 5%. Et ces 5%, on les voit avec un cerveau qui marche à 12% quand on est en forme, 15% Einstein, paraît-il. Hein, j'aime pas beaucoup Einstein comme référence, moi. On va prendre d'autres génies, Léonard de Vinci ou peut-être Miles Matisse, ou voilà, on va prendre d'autres génies. Et le tout dans un corps qui fonctionne avec 15%, 20% de son ADN, le reste étant considéré junk, inexplicable, inexpliqué par l'allégorie scientifique. Non, l'allégorie, c'est moi qui l'ai là en ce moment. enfin bon, la communauté des quoi-académiques appartenant à la science, aux sciences en général. Pas tous, hein, mais ceux qui en sortent se font honnir et bafouer et déprécier, voire assassiner quand ils ont vraiment trop raison. Et que ce soit la science physique ou la médecine, souffre énormément de cette attitude de ces gens-là qui nous mènent par le bout du nez, si ce n'est pas ailleurs. Oui, parce qu'ils avaient des mœurs et ils sont liés aux services spéciaux et les services spéciaux jonglent constamment avec le chantage sexuel, le trafic d'armes, le blanchiment d'argent, l'échange de renseignements, la vente d'uranium. Enfin bon. Donc, en fait, de cette époque-là, on vient de faire un petit bond jusqu'à l'affaire Epstein. J'y vois pas énormément de difficultés
à ne pas tout mettre un petit peu dans le même bol au bout d'un moment. Là, on va agrandir le bol. C'est un saladier. Et je peux vous dire qu'on en a ras le saladier. Ouais. Mais il faut bien connaître le saladier, là, avant de savoir où on met les pieds, parce que c'est mortel. C'est juste en général mortel, quoi. Il y a une finance inimaginable. Hein. Il n'y a pas de fond à cette finance. Et des pouvoirs inimaginables. Et au niveau technologique, aujourd'hui, si ça se trouve, là, je suis sous contrôle mental. Hein. Ah oui, j'avais pensé parce que je vous montre que je suis toujours en contact avec la nature. Eh ouais. Oh, je l'embête. Hein. Oh, il dort bien. On va laisser dormir. Oh, oui, oui. C'est la petite pipouille. Ça fait du bien un peu de poésie là au milieu, hein, non? Enfin, moi, ça me fait du bien. Bon, bien, on va continuer quand même. Werner von Braun était un célèbre ingénieur allemand spatial, aéronautique, et aussi un constructeur de vaisseaux qui a été crédité de la construction des roquettes V2 pour l'Allemagne germaine nazie, ainsi que Saturn V pour les États-Unis. Il a acquis ce savoir d'un être à l'aspect nordique, une influence extraterrestre, lorsqu'il a dit en 1959, et c'est une citation, « Nous nous sommes retrouvés face à un pouvoir qui était bien plus puissant qu'il ne nous était capable d'assumer et qui jusqu'à présent reste inconnu, nous reste inconnu. Nous sommes maintenant engagés vers un contact de plus en plus rapproché avec ce pouvoir et d'ici 6 à 9 mois, il serait peut-être possible d'en parler avec plus de précision. » Je vais vous le retraduire là. Vous avez vu le regard de Von Haworth là? Je crois qu'ils l'ont dessiné dans Tintin. Oh, Tintin, c'est une BD qui est bourrée de subliminales, qui est bourrée de citations maçonniques ou occultes en tout cas, et qui est bourrée de plein d'autres choses. Il y a peut-être même des dates dedans. Des dates en rapport avec la situation que nous vivons aujourd'hui. RG, H-E-R-G-E, ou R-G. Alors, je ne pense pas que ce soit René Goscinny, hein. Lui, c'était un autre. Je crois. On se perd dans la BD. Vous avez vu le regard de ce bonhomme, là? Écoutez, hein, moi, je vais vous dire. Entre lui, là, derrière, lui, là, et le militaire, on est bien, hein? Oui, donc il fait aussi mention d'un même savoir extraterrestre à l'aspect nordique qui lui a permis de dire en 1959 « Nous nous sommes retrouvés face à des pouvoirs qui sont bien plus grands que l'on ne puisse assumer ou comprendre et qui restent jusqu'à présent inconnus à nous. Plus encore, je ne peux le concevoir aujourd'hui. Nous sommes maintenant engagés vers une rencontre rapprochée avec ses pouvoirs et d'ici 6 à 9 mois de temps, on est en 59, donc en 60, c'était réalisé. Il sera alors possible d'en parler avec plus de précision. Voilà. 1960. Bon, moi, je pense que la situation était trop grave à ce moment-là. Je me suis décidé, j'ai dit, bon, ok, j'y vais. I'll be back. J'ai pas dû venir tout seul. Hein. On est un petit paquet, hein, normalement, hein, quand même. Hein. D'ailleurs, je pense que pas mal d'entre vous sont sur ma chaîne, entre autres. Hein, entre autres sur ma chaîne. J'espère. Ouais, on est quand même pas très nombreux encore, là, quand même. Hein. Il va falloir faire un effort, les gars. Non, mais beaucoup d'entre nous, soit sont morts, notamment vers les années 90, je dirais, soit sont... qui est devant la télé, hein. J'ai failli être qui est devant la télé, hein. Moi, si j'avais eu une vie amoureuse normale, une vie sociale normale, une vie professionnelle normale, et des patrons, et des copines, et des normaux aussi. Hein.
Eh ben, je serais sûrement aujourd'hui embrigadé dans des histoires de famille, des crédits, des vacances organisées, des enfants, des marmots, des petits-enfants, des gardes, des grands-parents en difficulté et tout ça. Et, enfin, grands-parents ou parents, hein, à mon âge. Et je ne serais pas sur YouTube à m'intéresser à tout ça, je n'aurais jamais eu l'occasion. Donc, quelque part, je trouve que je suis mieux dans cet état-là que dans l'autre, même s'il y a des manques énormes, hein, je ne dénigre pas ça. Par contre, il y a des apports que l'autre n'aurait pas sur l'autre timeline. Mais laquelle? Parce que alors là, il y a quand même une chier plus un. Hein. Ou une chier plus une. Alors, une cinquantaine plus une, hein, au moins. Ouais. Enfin bon, c'est pas le sujet. Et donc, parce que là, j'étais prêt à décoller. Hein. Mais on est déjà dans un encart qui part sur des encarts. Là, on est sur la station d'autoroute. Tu me fais un café. Vous pouvez faire une pause. Bon, c'était une vidéo sérieuse. C'est une vidéo très sérieuse. C'est très sérieux. C'est même urgent, mais bon, ça fait des années qu'on en parle, ça ne change rien. Alors bon, ce coup-ci, on va là. Je vais me laisser aller. On n'est pas loin de la fin, de toute façon, hein, de la vidéo. Voilà, 1:18. Ah ben, écoutez, je finis la vidéo et après, je laisserai aller un petit peu libre cours. Donc, Stéphane Shepherd se demande qui étaient ces gens d'autres mondes. Et là, je vous laisse un peu d'image parce que donc, on a Von Braun et Von Oberth qui prennent le thé, comme tout à l'heure, Poutine et Medvedev. Ben, ils ne prennent pas le thé, là. Oh là 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 là, celui-là, on ne va pas le garder à l'image trop longtemps. Oui, en fait, Stéphane Shepherd se demandait, parce qu'il a dû faire cette vidéo à l'époque où l'autre était encore président, et il se demandait si peut-être que lui avait les réponses. Et on le voit là, une émission télé du matin, vous voyez, Hélène Tube, discuter avec une petite fille, je ne sais pas qui c'est. Et la petite fille lui dit, ah, moi je pense que les aliens existent vraiment. Les aliens, les E.T. Et lui lui répond, bon, ben, ok, pourquoi pas. Dans le genre, pourquoi pas. Sauf que, si on se rappelle bien, quand il avait été interviewé à une autre occasion, et qu'on lui avait dit quoi que ce soit, je ne me rappelle plus, il avait répondu, oui, mais c'est ce qu'ils veulent qu'on vous dise. Et lui, il parlait aussi de maîtres aliens qui contrôlent leur discours, quelque part. Je ne vous dis pas qu'ils le contrôlent mentalement pour ce discours-là, je dis qu'ils contrôlent ce que le bonhomme fait, la marionnette fait, et qu'il a intérêt à rester dans les clous, sinon il lui arrive des problèmes, quoi. Alors là, il ose dire qu'actuellement, ils n'ont pas fait un contact direct avec eux. Et là, si vous regardez les yeux de la petite, là, alors je vais couper le son, mais il faut qu'on voie ça. Vous trouvez qu'elle y croit? Elle ne le regarde même pas. Regardez là. C'est très intéressant, on va se le refaire. Ah, ça, tant pis pour l'envie de vomir. Allez hop, on se le refait. Donc, il est possible qu'il en sache plus. Je vous mets le son, on ose. Alors, peut-être pas aussi grand, alors. De façon à ce que je puisse... Voilà, lui, on s'en fout un peu de sa gueule. Enfin, pas trop, quoi, parce que c'est important ce qu'il répond et lui aussi, on va le regarder faire. Donc, je pense que les aliens sont réels. The truth is as messy. La vérité, c'est que... Voilà, déjà. Alors là, si je suis psychologue du FBI ou de la
la nouvelle police française, les nouveaux services d'inquisition, l'intelligence artificielle aussi. Ça, c'est évident que ça passe par l'intelligence artificielle qui nous regarde avec des caméras, qui analyse tout, les chaleurs, les changements de chaleur, les vibrations, la valeur de ma voix, ses intonations, le trémolo, tout. La voix, une analyse de voix correctement posée, conduite, amène à la détermination des maladies que je peux préparer. Les points de faiblesse de mon système physiologique et voir les maladies dont je suis déjà touché, mais qui ne sont pas apparentes. Vous voyez ? Est-ce que vous imagineriez que... Je sais pas, j'allais encore dire une connerie, mais je vais me décriminaliser après. On continue. Voilà, il regarde celle-là et il dit... il ne regarde même pas elle. Le contact direct des yeux, c'est moi là. Le contact direct des yeux, donc sans lunettes de vue ni de soleil, est très important dans une discussion. Alors, ils se connaissent parce qu'ils ne se regardent pas ou ils ne se connaissent pas et elle est timide. Je ne sais pas, mais on continue. Donc, à mon avis, on ment, on raconte une histoire quand on cherche dans ses mains l'explication, c'est là-haut qu'on la cherche. Et justement, là, il faut regarder le regard, où il part à gauche, où il part à droite, et suivant qu'on soit droitier ou gaucher, quelque part, normalement. Ça signifie qu'on invente ou qu'on se réfère à un vrai souvenir qu'on va chercher dans notre mémoire. Donc, continuons. Ouais, et là, ouais, oui. J'adore. Elle regarde la speakerine et lui dit « Miss ». Il y croit ce qu'il dit là. J'ai pas l'occasion de traduire. Oh, tout ce qu'on fait, c'est ce qu'on sait. Je sais plus. Enfin bon. Je suis adorf. Hein. Franchement, vous avez eu droit à un extra aujourd'hui. Et j'ai pas trop râlé, hein, parce que normalement je suis comme ça, mais en plus je râle beaucoup. Ouais, je râle beaucoup. Ouais, moi, je me laisse pas faire par les gens qui parlent dans leur télé, là, ou que ce soit à l'écran internet. Ou... Ben, à l'époque, ça avait provoqué des disputes. Les gens qui admettaient le journal télévisé comme ça, là, et moi je peignais en général, donc je regardais pas l'écran et je n'étais pas soumis aux influences, on va dire. Et donc je remarquais dans les phrases des incohérences incroyables. Alors, je me tourne avec un élan de « Oh !» et je vois que tout le monde est d'accord avec ce que Jean-Pierre Pernaut ou n'importe qui d'autre venait de dire. Ou un homme politique. Hein. Moi, j'ai entendu faire des discours pour les présidentielles. Tu hallucines. Tu penses que le mec ne va pas... Avec un tel discours qui est aussi décousu, il ne va sûrement pas être élu. Hein. Ben, normalement, non. Et il n'a pas été élu, normalement. Ils ont triché. On ne peut pas avoir deux arrondissements de Lyon sur lesquels on ne peut pas comptabiliser un vote blanc. Par contre, quand on est dans un monde régi par les intelligences artificielles, en direct, à l'instantané, on peut gérer des endroits où on aimerait bien voir des voix et des endroits où il y a des voix qui ne servent à rien. On peut gérer des doubles listages de cartes d'électeurs. On peut gérer un décalage horaire entre... les différentes colonies. Et obtenir après des chiffres qu'on va dévoiler au public et qui portent en eux la marque d'un calcul numérologique, donc d'un message envers une certaine partie de la population qui capte le message. Ils n'arrêtent pas de communiquer entre eux comme ça, entre ce qu'ils disent verbalement et la bande défilante en bas, les chiffres qui passent, la succession des sujets, sur une une d'un journal, le subliminal entre les différentes photos qu'il y a et les titres qu'il y a en face, même si les articles n'ont pas vraiment de rapport. Vous pouvez faire
des fois des rapports hein, entre la photo, l'article, la personne, les rats. Ils communiquent entre eux aussi comme ça. C'est juste sous nos yeux et là, on ne le voit pas non plus. Écoutez, on va remercier Robert Seffler, on va remercier votre présence et votre tolérance à mes encarts. Voilà. L'inconvénient, c'est que c'est un peu en différé, quoi. Si j'étais à une conférence, je verrais la réaction du public et je saurais si ça passe ou si ça passe pas. Bon, ben, comme en général ça passe, je vais laisser cette vidéo, je vais vous la mettre. Juste après celle de Victor Schorberger qui doit être en train de se télécharger. Voilà. Ben, écoutez, dommage qu'on ne soit pas dimanche. Amusez-vous bien. Merci de votre présence. Merci de vos riches pensées, vos commentaires, riches aussi, et votre cœur, riche aussi. Bon courage. Salut. À la prochaine.